Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est un peu particulier. C'est à la fois une vidéo et à la fois un vlog. Donc, vlog avec Sarah, un peu comme d'habitude. Et la vidéo, c'est 24 heures jumelles. On est mercredi matin, je précise. Demain, Sarah va peut-être venir. Il faut d'abord que nos mères s'appellent parce que pour l'instant, elles n'ont pas pu encore s'appeler. Je vous parle comme si c'était déjà prévu alors que c'est pas du tout prévu vu qu'on ne sait pas si elle va vraiment venir, mais de base. Ça devrait aller, j'espère. Ma mère va aller chercher Sarah jeudi en sortant du travail, donc vers 13h30. Toute l'après-midi, elles vont passer toutes les deux, parce que moi je vais être au collège. Et je finis à 17h30 si ma prof de latin est là, si ma prof de latin est pas là, je finis à 16h30. Et après, maman et Sarah vont venir me chercher devant le collège. Et après, voilà, on va passer l'après-midi, enfin la soirée ensemble. Et après, de base, elle doit dormir ici. Et comme ça, vendredi, on passe la journée ensemble. Et le soir, on la ramène, ou alors c'est Marine qui vient la chercher, j'en sais rien. Et du coup, pour le 24 heures jumelles, faut qu'on soit toujours pareil, c'est-à-dire les mêmes vêtements, la même coiffure, le même maquillage, tout pareil, on va faire tout pareil. Le seul petit problème, c'est qu'on avait prévu de s'habiller en robe, la robe noire qui colle avec un short dessous et des pieds nus. Le jeudi, sauf qu'en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah non, parce que moi je vais au collège et j'ai pas de short qui va sous ma robe, et de toute façon, je vais faire sport. Donc je peux pas me mettre en robe avec un short. Si on fait randonnée, j'aurais pu. Mais si on fait escalade, je peux pas. Et je sais pas à l'avance ce que je vais faire. C'est ça le problème. Si je fais escalade, je peux pas ma robe avec le baudrier. Ça va faire chelou, tu vois. Bref, vous avez compris, on va pas faire une intro de 3 heures, même si elle est déjà très très longue. Du coup, je vous filmerai peut-être cet après-midi quand je serai en appel avec Sarah. Je vous filmerai un petit peu. Après, pour ce qui est de jeudi. J'ai demandé à Sarah qu'elle filme quand je sortirai du collège, vu que moi je vais pas pouvoir filmer. Et après, quand j'arriverai à la maison, je commencerai à refilmer avec ma caméra. Du coup, voilà, on se retrouve bah, peut-être cet après-midi, du coup, pour l'appel avec Sarah. Voilà, je vous retrouve cet après-midi. Ah, du coup, je fais un appel avec Sarah. Ouais. Eh, hey, salut! Ouais! Je vais passer sur YouTube! Je vais être connue! Ouais! Du coup, on est en train de voir pour, La fille a pour faire des pranks pour demain parce qu'en gros, on s'est dit, ouais, ce serait trop drôle que. Attendez, on va la. Voilà, on va baisser le son. Genre, on s'est dit, ouais, on fera des lives et tout. Et on a prévu des pranks, tu vois. Et genre, il y a un prank, je vais devoir faire un live. Et genre, après, je vais dire, ouais, j'arrive dans 2 secondes et tout. Et c'est Sarah qui va prendre ma place. On va voir si les gens ils vont remarquer et tout. Parce que vu qu'on fait le 24 heures jumelles, bah, on est censé être habillé et tout, pareil. Du coup, on va voir si les gens ils vont capter. De base, oui. Enfin, ça dépend qui ce sera. Mais voilà, vous avez compris, quoi. Bah, Sarah a bugué. Bref, du coup, on est censé trouver des trucs à faire comme prank et tout. Mais bah, on fait un peu n'importe quoi, hein, mais bref. Oui, c'est non, je sais pas, apparemment, je sais pas. C'est pas en fait. Ouais, bah, t'es au courant quand même, parce que apparemment, donc je la prends en sortant de mon boulot. D'accord? Donc. Non, d'accord, ok. Non, je la prends. Bah, moi, je mangerai chez elle pour 13h, 13h15, quoi. Ensuite, bon, bah, elle vient à la maison avec moi, tout ça, le temps que. Après, on va chercher Nina au collège. Donc, à pied ou en voiture, ça dépendra du temps. Et puis ensuite, bah, je sais pas, normalement, c'est prévu. Et, je sais pas, ils envisageaient qu'elle dorme ici. Donc, je sais pas toi, si tu... Oui? Ouais. Ah d'accord, ok. Donc ouais, c'était prévu, enfin c'est ce qu'avec Nadège, avec chaque fois, souvent, je l'appelle Nadège, Nina. Oui, Nana, Nina, enfin bref. Donc oui, qu'elle dorme ici, et puis je la ramène le vendredi. C'est ça. Mais bon, quoi, hein. Elle va pas voir Sarah jeudi soir. Ah oui, d'accord, ok. 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 Ah, en 16h30, ils vont faire la gueule. Ouais, c'est clair. Non, non, c'est clair. Pour demain. Alors, c'est jeudi matin, je suis trop pressée d'être à la fin de journée. Oula, la mise au point. Voilà, c'est bon.
Alors, avec Sarah, on a fait un appel hier, mais on n'a pas trop parlé en appel. Et on a plus fait des messages vocaux. Donc, en gros, je vous dis à peu près le planning qu'il va y avoir aujourd'hui et demain. Sarah, elle vient me chercher avec maman à 17h30 au collège. D'abord, vu que j'ai sport, je dois m'habiller comme ça parce que si on fait escalade, je peux pas me mettre en robe. Même si j'ai un short dessous, le baudrier il va être là, ça va faire trop bizarre, ma robe va remonter, ça va être horrible. Bref, du coup, vu que je sais pas quel sport on fait, je suis obligée de m'habiller comme ça. Après le sport, je vais aller vite fait me mettre en robe et short aux toilettes pour le cours de latin. Après, je sors, donc il y aura Sarah et maman. On rentre à la maison, on prend des gâteaux, on va goûter à la fontaine, donc Sarah et moi, je pense pas que maman va venir. Après, on va se balader un petit peu, voilà. Maman nous aura dit une heure pour rentrer, enfin une certaine heure pour rentrer. On rentrera. Après, on ira peut-être jouer au badminton, si c'est encore beau, si c'est encore assez chaud et tout. Après, on va, bah, je sais pas, peut-être faire des lives le soir, des trucs comme ça. On va faire des jeux. Et le lendemain, vendredi, je vais dire assez tôt, maman sera au travail. On sait pas trop ce qu'on va faire de la matinée pendant que maman est pas là. Donc on va mettre de la musique. Je pense qu'on va. Parce que j'aurai pas le droit à un stage, je pense que maman sera pas là. Et j'espère qu'elle va quand même bien vouloir me le laisser parce que dans tous les cas, je suis avec Sarah, enfin ça change rien, tu vois. J'espère déjà quand il y aura Sarah, elle va bien me le débloquer. Bref, j'espère qu'elle va bien vouloir me le laisser débloquer pendant qu'elle est pas là. Comme ça, je pense qu'on fera aussi des lives le matin, etc. Je pense que le live qu'on va faire, enfin les lives qu'on va faire le matin, ça va plus être chill, genre on aura la musique, voilà, on va pas faire grand chose, je pense. Le matin, je parle bien du matin quand on va se réveiller et tout, après le petit déj, voilà. Après, je pense qu'on va commencer à faire plus en live, genre on fait des jeux, machin et tout. Parce qu'on a prévu des jeux à faire et des pranks à faire en live. Après, bah même quand maman sera là, ça dépendra s'il fait beau ou pas. Parce que s'il fait beau, je pense qu'on ira se promener, on ira peut-être jouer à cache-cache, j'en sais rien. Mais après, s'il fait pas beau, bah je pense qu'on va plus faire des lives et tout, après j'en sais rien. Le problème, c'est que Cathy est pas au courant, du coup, faut ramener Sarah. Parce que ma reine, elle va dire à Cathy que Sarah est partie dormir chez Isaline. Et du coup, bah faut la ramener avant 16h30, pour pas que Cathy voie qu'on est là et que c'est nous qui avons ramené Sarah, quoi. Parce que sinon, c'est un peu gâché. Du coup, on a un peu le seum, parce que ça fera pas vraiment 24 heures jumelles, sachant que ça commence à partir de 17h30 et qu'il faut la ramener vers 15h30, un truc comme ça, du coup ça fera 22h jumelles quoi. Cette séquence aura été en accéléré, tous les moments où je parle c'est en accéléré parce que sinon c'est beaucoup trop long. Et rappeler à Sarah qu'il faut pas qu'elle oublie de filmer quand je sors du collège. Et voilà voilà quoi, on se retrouve ce soir avec Sarah. Petite précision, je parle du nez vraiment, genre je crois j'ai un rhume. J'ai marqué Sarah, je t'aime à toutes. Voilà, du coup, on se retrouve après avec Sarah. Salut, je viens d'arriver avec ma petite valise. Regardez-moi ça. Hop, on se dirige vers la chambre de Nina. Il va faire tout noir. Je vous reprends après. Stitch a ouvert la porte. On va prendre le goûter à la fontaine comme je vous ai expliqué ce matin. Et elle finira. Ah non attends. Et Sarah elle a pris mon sac à dos et moi j'ai pris son sac. Eh ben c'est moi je pars à l'aventure avec Dora avec Sparapel. Ah non c'est Stitch. Et à plus dans le bus toi aussi. Ah oui c'est Stitch et un panda sur mes clés. Ah, faut clencher. Oh Nanouche, tu m'as même pas dit bonjour. Oh bah tu lui dis au revoir. Faut ouvrir hein. Non bah mets le cadenas de l'autre côté de la barrière. Mais pour pas qu'il voie. Non, je le cache. Voilà c'est bon. On le voit. C'est bon. Ok. On met les clés dans ton sac. J'ai été sûr. On ferme ton sac. Bah ici un peu, on est pas trop beau. Bah non, j'ai refermé ça. Bon on y va. Hey yo, ça va ou quoi? Ça va dans le marinx? Tête de... Ah, reprends ce bleu. Regardez, elle a mis sa tarte aux pommes dans le sac. T'es mal la tête de la tarte aux pommes. Attends, attends, maintenant faut l'ouvrir. C'est pas le pire. Le pompon sur le gâteau. Ah bah non, là c'est les pommes. J'avais oublié. Non, oh, ouais, ça va. Hein. Ah non, ça va pas. Elle est en train de vomir. Oh la blague de base. Voilà, c'est magnifique. It's beautiful. Sarah, c'est une coiffeuse. Oh, oh la caméra! Voilà, Sarah m'a fait les deux tresses. J'essaie de te maquiller comme je me maquille. La fois que j'ai des photos. Ouais. Comme tu veux.
Surtout pour le live, enfin là il faut absolument que ça soit exactement pareil. Du coup, je me fais les mêmes. Par contre, il faudra que tu enlèves tes boucles d'oreilles et ton collier du coup. Et si on veut faire des photos, on peut être notre déguisement pour l'appareil. Ouais. Hé, hey, devinez qui est qui. C'est qui Nina, c'est qui ça? Là, on va faire du bagging. Attendez, je perds mes cotons. Ah oui, parce qu'elle a mal au pied, du coup elle met des cotons. Oui, j'ai des ressorts, mes ressorts de meilleure force, ils sortent. Ah, moi aussi ça me fait ça. En fait, j'ai le derrière qui s'est arraché de ma chaussure. Voilà. Genre, ça me fait ça aussi. Et voilà, du coup, on va jouer au badminton. Voilà. Moi, je vais mettre un rappel pour pas oublier la caméra. Il y a des sauterelles.
façon, on va pas manger à 19h30. On a fini la petite séance de badminton, c'était pas très long mais on doit y aller. On va repasser. Tu pourras zoomer sur les gens. Quoi ? En fait tu pourras zoomer hein. Oui. Bah non, je peux pas zoomer moi. Bah sur le montage. Je crois pas que tu. Tu pourras faire zoomer, zoomer, tout le monde peut zoomer. Oh bah si tu peux. Je sais pas, je vais rien. Et du coup là on va repartir. Attends, arrête. On va aller vite faire la plage et on va repartir par la route, voilà. Est-ce qu'en vrai ce que tu peux faire ? On aura la maquilleuse. Attends, on va faire un avant-après comme ça, genre, tu sais, une transition. Ah, bonne idée. Attendez, je recolle ça. C'est une bonne idée, hein. Voilà, prêt ? Non, mais avec le... Ok, c'est bon, oui. Vas-y, prêt ? Regardez bien sa tête. Tadam ! Et voilà. Est-ce qu'on se ressemble ? Attends, attends, attends. On n'a pas fait des trucs à tes cheveux, là. Toi, tes cheveux, ils sont... Ok, attends. En vrai, ça attends, va. Attends, attends, faut qu'on se mette vraiment... En vrai, ça va de ouf. Eh, mais ça va de ouf, en vrai. Mais on va changer notre robe parce qu'on n'a pas exactement les mêmes. Et du coup, on va mettre. C'est qui a fait ça? Je crois qu'il y a du tonnerre. Purée. Du coup, on va. De fou. On va mettre un t-shirt qu'on a pareil. Du coup, voilà. Ok. Attendez, je règle un truc. Je vais revenir plus tard. Ah, bah d'accord, ok. Attendez. Tu vois, ça tient pas. En fait, j'essaye de mettre ça. Regardez, je vais vous montrer. Désolée, mais ce soir, je... voilà quoi. Bref, regardez, ça va être plus simple. Vous voyez, j'essaye de caler là, la caméra, dans la poubelle. Mais le problème, c'est que c'est trop bas. Voilà. Bon, sinon, t'es toujours là, Nassim. C'est Nassim qui est là. Oh, bah non, il n'y a plus personne. Attends. J'y arrive, je vais poser ma caméra. Ça, il n'y a personne. C'était cramé. En fait, on est en train de faire le prank là en live. On n'arrête pas de s'échanger. Genre, c'est-à-dire, à la base, Sarah, elle a fait le live. Elle a fait 2 secondes, je reviens, je vais chercher un truc. On s'est changé. À chaque fois qu'on s'échange, genre qu'on échange nos places, on met les lunettes. Genre, il y avait 2 personnes. On n'arrêtait pas d'échanger de place. Moi, j'étais morte de rire. Le pire, c'est que, genre, quand on est sur le live, des fois, l'autre a dit des trucs à quoi, tu commences à exploser de rire pour rien. Les gens live, ils doivent pas comprendre. Et... Et genre, du coup, on n'arrête pas d'échanger de place et tout. Et on est mort de rire. J'arrête pas de rigoler. C'est cramé. Parce qu'en plus, Sarah, elle est partie aux toilettes vraiment à un moment. Et du coup, je parlais, je fais coucou Nathan. Et après, je fais après, on va faire un jeu et tout. Et Sarah, elle arrive, elle dit exactement la même chose que moi. Elle dit ah, salut Nathan. Et là, du coup, j'ai déjà dit ça. C'est bien explosé de rire. J'en ai l'air, ils ont pas dû comprendre. Et après, elle dit tout à l'heure, je vais faire un petit jeu. Et là, je fais j'ai déjà dit. On était mortes. Je vous jure, c'est tellement drôle. Moi, bah ouais, ça fait 2-3 semaines à peu près que je suis en vacances. Depuis une semaine. Ah ouais, mais vous êtes en combien? Bah toi, du coup, t'as un 2004, donc tu es en 3e. Ah bah non, en première, pardon. Non, mais en fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé mettre un petit avant, ça me fait trop rire. Pareil, je suis en vacances. Quoi? Attendez, j'arrive. Ma mère m'a appelé. Voilà, c'est bon, je suis là. Regarde ma petite gerbille. Ah, bah salut. Ah, ça va Nathan? Ah, tu le connais? C'est le gars qui... Pourquoi Soso? Ah, bravo! T'es fort! Une semaine. Attendez, je regarde ce que j'ai pas lu. Oh purée, il est tombé, je suis sûr. Attendez. Attendez, faut pas qu'il tombe. Hein. Il est un peu foufou blanc. Ouais, tranquille, on est bien là, non? Oh, bah, c'est super. Attendez, parce qu'il va se perdre dans le bureau. Ah, ouais, la bien. Bon, attendez, je reviens. Je vais le ranger. Je sais pas si je peux le ranger ou pas. Il est fou, regardez-moi sa petite tête. Ça va ou quoi? Ça va, Praline? Non, je rigole, il s'appelle Sushi. Oh, purée. Il fait des sauts de fou malade. Il se trouve sa tête. Moi, je reviens. Je vais chercher mes autres claquettes parce que je ne les ai pas montrées tous. Attends, viens Soussou. Soussou, viens. Sushi, viens te cacher ma poubelle. Je rigole. Viens mon petit bébé. Bébé. Bon, écoutez, il joue à cache-cache. Je reviens en vidéo.
Oh, je sais plus où je les ai mises. Ah, ça y est. Elles sont là. Voilà. Ça, c'est mes autres claviers. Du coup, j'en ai trois. On est bien là. Là, non. Fin de quoi? Je sais même pas pourquoi j'ai appelé sushi. À la base, on avait beaucoup d'idées de nom. Et après, j'ai dit bah non, je l'appelle sushi. Alors que j'aime pas du tout les sushis. En fait. C'est qui Nassim? Ah, mais du coup, oui, Nassim, t'étais bien au collège. D'accord, c'est bien Nassim que je pense. J'ai invité Darren, Lisa, Sophia. J'ai invité Aïda, mais je sais plus c'est quoi son Insta. Aïda. Ah, mais non, elle a plus Insta. Elle m'a dit qu'elle allait venir sur mon live Insta alors qu'elle a plus Insta. D'accord. Comment on fait pour revenir en arrière? Voilà. J'étais dans ta classe en 5e. Mais là, tu es en 4D, t'es pas assez bien. Oh, salut Lisa. Il y a Lisa et Sophia. Attendez, je vais reposer Sushi parce qu'il est un peu chiant. Je ne le posais pas très loin parce que sinon... Vous m'aurez un peu embêté, vous voyez. Salut. C'est pas Ami. Non, c'est pas Ami. Ça va, il faut... Bah, ça va, trop un petit tranquille. Attendez, je vais regarder, il y a qui. Alors, pourquoi ce... quelqu'un m'explique là, pourquoi ça dépend? Oh bah purée, en fait. Attendez, 5 personnes, donc il doit avoir Nassim. C'est qui donc déjà l'autre? Je crois il y a Amine. Amine c'est l'Arcanix, je crois. Je crois que c'est Amine. Ouais, c'est moi. Ah, je savais. Quoi? Ma mère m'a dit un truc, du coup je sais. Tu peux le croire. Ouais, j'ai des fous rires. Nina, viens. Attendez, attendez. C'est urgent. Je retarde dans 2 minutes. Dans 2 secondes. Vous avez cramé qu'on était deux. Attends, il y avait Nassim qui est là depuis le début. Ouais, est-ce que vous avez cramé qu'on était deux? Franchement, si vous n'avez pas cramé, allez, tu m'as mis demandé. Franchement, si vous n'avez pas cramé, on est des génies. Mais et ça paraît bizarre parce que même Lisa, elle me parlait, genre comme si on était potes depuis 5 ans, toi. Oh, grave. Non, mais. Oh, non, mais n'importe quoi. Ouais, je crois qu'ils ont pas capté. Hein. Je rigole, il n'y a plus personne. Ah, du coup, je me suis remis sur le pied. Oh non, mais lui, il vient à cette heure-là. Les amis, répondez. Est-ce que vous avez cramé qu'on était deux? Il vient quand on a fini le prompt. Alors, on va vraiment faire des jeux. Bon, là, je pense qu'on va pas tarder à manger. Du coup, on fera la live demain. Non, mais dans ce soir. Non, là, on va manger. Ah ouais, après manger, peut-être. Bah non, elle a dit qu'elle me bloquerait Insta. Ah, je sais pas. Peut-être qu'on va refaire un live après manger. Si. Mais au début, j'ai cru que c'était Nina. Après, j'ai vu Sarah. Oh, bah oui, on était deux. J'ai cramé de fou, Je me suis dit, c'est chelou, c'est pas... Mais... On est nuls. C'est des bras, je suis pas cramé. Oh, faut prendre ça en capture d'écran. Attends, comment on fait le capture là-dessus? Comme ça? Tu vas éteindre mon tel? Okay. Non, je sais. Je vais pas éteindre. Eh, par contre, il est parti, Amine. Hein. Oh, Amine, tu fais quoi? Non, oh, purée, ma tête. Et du coup, en fait, vous voyez, on avait mis un t-shirt. Vous voyez,
Après, on s'était coiffé pareil. Enfin, t'avais coiffé. Après, j'avais maquillé pareil que moi. On est maquillé pareil, mais en fait, Darren, il a dit qu'on se ressemblait pas. Du coup, on a mis. Ah, vous connaissez pas Darren, on s'en fout. Olivier, on était habillé en robe. C'est qui ça? Alexandre. Oh, Alexandre. Est-ce que c'est Alexandre cousin? Mais pas du tout. Enzo, mais vous. Oh, Enzo. Ah, c'est Sushi. Mais tout le monde est venu après le prendre, mais Darren dit. C'était cramé. Mais toi, t'as même pas vu une date, ils sont ravis. Cramé, j'ai vu après. Oh, mais alors toi, t'es perché à mine. Ah, mais peut-être que non, mais non, mais en fait, peut-être qu'au début, puisque c'était moi, il a su que. Tiens, tu vois. Ah oui, peut-être qu'il t'a reconnu. Enfin, il a reconnu, c'est vraiment. Quelle organisation incroyable. Mais du coup, je voulais dire tout à l'heure, j'ai une forme de. On va peut-être refaire un live après manger, ou alors demain, et on va vraiment faire des jeux de jeu. Mais je me disais tout à l'heure, ce soir, parce que pire, moi. En fait, il faut savoir qu'on rigolait énormément. Mais oui, à chaque fois, j'ai aimé des pareils. Ah oui, à un moment. Oh, j'ai déjà dit. Oh, j'ai déjà dit. Parce qu'à un moment, j'ai dit coucou Nathan, parce qu'elle était vraiment partie et elle n'avait pas entendu. Elle est venue, elle a fait coucou Nathan. Du coup, j'ai dit, mais j'ai déjà dit. Attends, je vais regarder si l'autre truc il est plus haut. Parce que ça, c'est trop bas en fait. Je crois que c'est pareil. Oh, c'est toujours en train de filmer la caméra. Méchante, t'es qui? Ah, chef! Quoi? Il a dit t'es qui? Mais je suis une meuf en 4e. Mais attends, il a dit que j'étais dans sa classe en 5e. Il me dit, il sait pas, je suis qui. Moi, j'ai fait quoi? Je suis Nina. Mais attends, mais en fait, depuis tout à l'heure, je crois que genre, je suis grave bronzée et tout. Mais c'est les lunettes. Oui, les lunettes, elles font un truc rose. Tu me dis, waouh, qu'il y a de beaux couchers de soleil, dis donc. Ouais, bon, d'accord. Tu sais que depuis tout à l'heure, ça filme, j'avais même pas vu. Il reste combien d'heures? Je n'en sais rien, moi, ça marque. Arrête, si, c'était marqué. Moi, ça me marquait tout à l'heure. Ici? Non, oui, attends, arrête. Là? Mais c'est la batterie. Non, en bas. Mais non, c'est quand ça affiche un truc, là, que ça me... Là, on va manger. Moi, je mange des tomates concombres. Maman, elle a mangé des épinards. N'importe quoi. Elle a mangé des pinards. C'est des artichauts. Oui, des artichauts, c'est la même chose. Non. Les artichauts, j'aime bien, les pinards, j'aime pas. Bon, voilà, quoi. Ça parle bien à mon cul, t'as ça, t'as fait café s'il avait un an, ça. Franchement. Pierre Mourin, pas de soucis. En plus, j'ai rien compris. Ça parle bien à mon cul pour une tasse à café s'il avait un an. J'ai rien compris. T'aurais pris ses fesses pour une tasse à café s'il avait un manche. Et une danse. Ah non. Elle parle de quoi en fait? Une danse. Pas des épinards. Une tasse à café. Ça a un anse, tu vois. Si mon cul, il avait un anse, tu pourras bien prendre une tasse à café. Ah. T'as fallu le tien, comprends vite qu'on peut lui expliquer très longtemps. Oui, voilà, vraiment. Et du coup, je on comprend pas vite. Et Sarah, elle mange des carottes, voilà, et après, je sais pas ce qu'on va manger. C'est des carottes, hein. C'est pas des radis par hasard. C'est le rat. On va manger quoi après? Ah, tu verras. Avec de la steak. Filter avec ce. Du steak. Viande rouge. Ah, de la viande rouge. Un steak, oui. Ah ouais, parce que le steak haché, j'aime pas. Un steak. Mais un steak, au steak haché, c'est du steak. Un steak, j'ai pas dit un steak haché, j'ai dit un steak. J'aurais dû lui faire croire que c'était un steak haché. De la barbette d'Aloyo. Ah, ça c'est bon, mais je filmais comme ça. 1, 2, 3. Moi, c'est un flacon. Tu m'as dit de faire 2-3. Oui, bah, j'aime trop faire ça avec vous, appuyer sur ça comme ça. J'aime trop faire ça. 1, 2. J'ai cru qu'il était bloqué. Alors on ne tirera plus. Et j'aime pas les frites. Ouais. Surtout les frites à maman, elles sont pas bonnes. Elle a pas entendu, heureusement. Je lui montrerai ce que j'ai dit au montage. Non, elle a toujours pas entendu. Hey, est-ce que vous m'écoutez? Et demain matin, t'en mets 4 fois par jour, ça. C'est vraiment ce qui se passe dans toute ma vie. Personne ne m'écoute quand je parle. J'ai dit quoi? J'ai dit que tes frites étaient dégueu. Ah bah c'est gentil tout ça. Non mais c'est moi, je suis la pro des frites, alors je vais vous dire. Arrête. Écoute, je vais te faire goûter, Timitropette. Mais je sais. Mais non, tu sais pas, tu la connais pas. Non mais vous posez la caméra là, parce que vous mangez. Parce que là après quand ça va être chaud, moi, je veux que vous ayez mangé. Oui. Hein? D'accord? Ouais. Elle est bien de la musique. Nina. Et toi, là. Non.
Ah bah oui, bon, ça fait mes athées. J'ai vu. Mina. Tu dois deviner c'est qui. Quel DJ? Non, tu sais, tu connais. David Guetta. Donc tu attends un peu. Je connais pas, non, c'est pas que... Attends. Si tu connais. Je sais pas quoi. Tu connais. Qu'elle connaît pas. Tu vois, peut-être qu'elle sait pas trop c'est quel DJ. Si je connais, il y a des trucs. Faut que t'attendes. Et là? Ouais, mais bon. Voilà. C'est pas connu, mais tu connais. Ouais. C'est pas connu, mais tu connais. Et là? Comme celle-là. C'est qui lui? Attends, je regarde si c'est lui. Non, je sais pas. Attends, c'est Didier et. La première lettre, c'est un S. C'est un S. Ouais, non, David Guetta, il s'appelle. Ah bah oui, ça fait Didier en vrai, hein, David Guetta. Ouais, ça fait un S. C'est une fille, la Didier. Ah, mais j'avoue. C'est ça. Oui. C'est vrai? Oui. Ah, bah, mais tu l'as écouté en plus, hein. Mais j'avais les messages. Bon, allez, vas-y. On est en live et... ils sont tous partis. Et on est en train de jouer. Voilà. Ça, c'est un fruit de mer et... un crabe. Et on en a mangé. Ah, dit Jérémy. Non, alors, il y a deux mots en fait. Il y en a un, c'est un fruit de mer qui s'ouvre. Une huître. C'est un coquillage. Presque. Une huître. L'autre. Coquillage. L'autre. On mange des coquillages, nous. On dit c'est mousse. C'est pas lourde. Non, mais t'en fais exprès. Des escargots. Non. Des crevettes. Non. Mais what? Mais t'en fais exprès, c'est pas mouche. Je te jure que j'ai passe, c'était des moules. Je n'ai jamais mangé. Moi non plus. C'est vert, c'est tout petit, c'est rond. Un petit pois. C'est ça. Ça a une coque, ça pousse dans un arbre. Une noisette? Une noix? Ouais. Je sais pas ce que c'est. Ma pâte. C'était quoi? On s'en fout, vas-y. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est trop tard. Je sais pas ce que c'est non plus. Une baguette, tu sais pas ce que c'est, toi? Non, mais en fait, elle avait plus tard, je pense, c'est ça. C'est un fruit de mer et on fait des blankets. Et y a que un genre. Roxane, comment il s'appelle? Y a que Kylian dans le live. Mon préau. Roxane, voilà. Non, c'est pas lui l'artiste, hein. Je suis désolée, je connais mieux que lui. Vas-y, mets un point pour moi, allez. Brosser les dents, on vous retrouve après. Donc là, ça se fait vraiment pas parce que ma mère m'a dit qu'elle accepterait de me débloquer mon téléphone le soir. Ouais, c'est la nuit. Et genre, moi, du coup, je pensais, genre, quand on allait dans le lit toutes les deux, genre, qu'elle allait être couchée et tout. Et genre, là, elle me bloque mon téléphone. Après, je lui dis, ouais, t'avais dit que tu accepterais et tout. Et elle me dit, mais je serai couchée et tout, du coup, je peux pas te le rebloquer. Je lui ai dit, bah, rajoute du temps. Elle me dit, dans tous les cas, je vais pas te le débloquer jusqu'à 3h du matin. Hein. Après, j'ai dit, bah, faut pas exagérer non plus. Après, elle me dit, bah, non plus jusqu'à 2h. Hein. Bah, j'ai dit, bah, tu me le débloques une heure. Elle fait, non, mais même pas 30 minutes. Genre, j'ai dit, ça se fait pas, Sarah peut avoir son tel et pas moi. Genre, enfin, genre, ça se fait vraiment pas. J'allais te poser la question, même. Bref, là on va se coucher, ça se fait même pas, ma mère elle m'a même pas débloqué mon téléphone. Du coup voilà, j'en ai marre, je vais faire la tête. On se retrouve certainement demain matin, oh là là, la tête que j'ai. À demain. La bise à Télévie. Il est 4h, non 5h maintenant. Et genre on s'est réveillé parce que genre Sarah elle a vomi, parce qu'apparemment c'est étouffé ou je sais pas quoi. Et genre du coup, genre au début j'avais entendu mais j'étais tellement en train de dormir, j'ai même pas fait gaffe.
Et après, genre, voilà, j'ai vu. Et puis, on a appelé maman. Et puis, changé tout. Voilà. Et du coup, bah, là, on va aller se recoucher. Voilà, je suis fatiguée. Tout le monde est fatigué. Je suis pas bien. Ouais, j'y vais. Du coup, on se retrouve demain matin. Salut les gens. Donc là, on vient de se réveiller. Enfin, de se lever plutôt. On s'est réveillé vers 11h. Il est 11h25. Je me suis habillée. Sarah elle va s'habiller. Et puis après, ben, on va aller prendre le petit déjeuner. Ok, donc là, on va se préparer et faire un live. Dans le live, on va faire un jeu. Donc je vous explique vite fait. Si je vous l'ai pas déjà expliqué hier, mais en gros, par exemple, bon, là, c'est la table de la cuisine, donc certainement sur la table de la salle. On a déroulé un rouleau de papier toilette, on va mettre une grande ici, on aura un rouleau de papier toilette. Au bout, on va mettre un verre rempli à ras bord. Et à côté, il y en aura deux. Il y aura le mien et le sien. Et à côté, il y aura mes aliments du plus dégueu au meilleur que Sarah aura choisi pour moi. Et moi, je vais choisir les siens que je mettrai ici, donc on aura le même nombre d'aliments. Et chacun notre tour, on va rouler comme ça le papier toilette, le plus doucement possible pour pas que l'eau elle tombe. On aura un chronomètre de 30 secondes, je pense, au début, puis si ça fait beaucoup, on réduira le chronomètre. On va devoir rouler. Et si l'eau elle tombe, ça va casser le papier toilette. Et là où le papier toilette se sera arrêté, et ben, on devra manger cet aliment. Donc le but, c'est de le rouler le plus près possible pour avoir le meilleur aliment, quoi. Ou alors. Bah ouais, si on arrive à le ramener jusqu'à nous, enfin jusqu'à la ligne que je vais mettre, on aura le meilleur aliment. Et si on le met ici, bah on aura un aliment qu'on aime bien, quoi. Donc le but, c'est de pas casser le rouleau de papier toilette ici, quoi, parce que ce serait vraiment bête. Du coup, là pendant que Sarah est en train de se faire ses tresses, elle va me faire mes tresses après, mais là, il faut déjà que je cherche les aliments que je vais lui donner. Donc on va voir ça. Mais je sais plus trop ce qu'elle aime, parce qu'elle aime pas, en fait, c'est ça le problème. Des trucs vraiment dégueux, dégueux, dégueux. Ouais, mais faudrait qu'elle soit avec moi, en fait. Sarah, t'as bien la sauce barbecue? Mais en fait, t'aimes pas quoi? Ok, je vais regarder. Je comprends pas. Et Sarah? Tu sais, parce que vu que c'est un peu compliqué, on peut faire des mélanges de trucs. Ah ouais, d'accord. Non, mais faut pas faire des trucs vraiment trop dégueux. Mais par contre, par exemple, on peut mettre de la sauce barbecue sur un truc. On a le droit de faire ça. Mais faut pas que ce soit vraiment écœurant non plus, tu vois. Mais après, faudra faire juste un croc, tu vois. Je vais faire des trucs dégueulasses. Alors. Bon, tu veux que je trouve un truc. Oh, des fraises. Je vais mettre de la sauce barbecue sur une fraise. On va aller voir ce que fait Sarah. Il me faut mon téléphone. Ah, là, c'est de la batterie, on va battre l'externe. Ouais, ça va. Après, ça va être à Sarah, faire les trucs, j'ai vraiment peur. Parce que moi, genre, vraiment des trucs dégueulasses, ça risque de me faire vomir. J'espère qu'elle va pas me faire des trucs trop dégueulasses, parce que là. J'en ai fait 5, mais peut-être qu'il en faudra plus, j'en sais rien. Donc déjà, tu feras toi, t'en feras 5. Puis si t'as d'autres idées, tu pourras faire et moi, j'en ferai d'autres. Bah, j'ai pas fait vraiment des trucs dégueulasses. Je les ai pas encore classés dans l'ordre, mais ça, je le ferai quand on sera en live. On a le droit de boire un coup après. Ouais. J'ai pas de piment, sinon j'en aurais mis. Ouh là, elle commence. Attends, je vais pas mettre ça. Oh, ça va parce qu'il est pas vraiment à moi. Bon, déjà, le bonbon, c'est bon. Ouais.
Mais toi, t'as vraiment pris des trucs que j'aime pas. En vrai, là, c'est facile. Ok, la moutarde, c'est bon. Moi, je veux clairement pas manger des trucs, c'est les pires trucs. En vrai, ça va, parce que je crois qu'il est pas rempli, vraiment. Ok, la fraise, c'est bon. Mais le but, c'est pas, c'est de pas casser le papier toilette ou de pas renverser d'eau? Bah, si je renverse l'eau, de base, bah, les toilettes, va se casser. Ah ouais. Donc, du coup, bah voilà. Ah ah oui, c'est ça. Oui, elle mange le barbecue. Tu veux que je fasse comment pour manger ça? Et tu prends genre un peu de gruyère. Regardez. C'est bon. Ok. C'est validat. Donc là, c'est à moi, voyez, voilà, tiens Lida, prends la caméra. Ok, vous êtes prêts? Mais juste pour manger bien, je vais la remplir plus que toi. J'ai pas compris le principe, en fait, je tire sur le papier toilette. Moi aussi, je fais un peu ça. Hein. En fait, c'est un peu dur de le renrouler. Tu sais que moi, je préfère le fromage blanc que ça. Ouais? Ouais! Moi je préférais. Parce que ça va être écœurant de manger du yaourt avec du fromage. Bah, en fait, c'est hyper simple. Dessus, mais je crois que c'est un peu parti. Viens, montre. Ah, mais il y a un cheveu aussi. Un pour la nala. Ah, il y a pas l'amande. Si, c'est de l'amande. Tu as repris l'amande? Oui, j'ai mis de l'amande dessus. Enfin, pas goût manque, hein. Attends, je vais goûter le chocolat. Alors, voilà. Dites bonjour au vlog. Oh, purée, ça coule. Il n'y a qu'une personne, je crois, mais dis bonjour au vlog. Hein. Tu dis bonjour. Vous voyez, vous avez bonjour des abonnés là, en live Insta, regardez. Attends, est-ce qu'on voit? Vous avez vu, vous dites bonjour, voilà. Regardez, je crois qu'il y a un esprit. Regardez, je crois qu'il y a un esprit. Ouais, il y a un esprit, c'est clair. Mais attends, tu y es encore. Mais enfin, c'est bon, c'est quasi. Ah non, mais... Je me rappelle. Parce que vraiment, mais je vais pas pouvoir l'avaler, hein. Mais je déteste. Oh, bah en plus, tu voulais une maison bleue, qu'est-ce que tu me parles de détester? Ah, j'ai pris le bout rose. Hein. Mais tu voulais un. Bah voilà, tu voulais aussi une maison rose. J'avais toujours ma maison bleue. Ah, c'est pas bon. Fais-nous, montre ta tête de ce que tu ressens. En fait, ça. J'aime pas les bons. Vas-y, non, mais fais-nous une tête de ce que tu ressens. Non, ça va, moi. Bah, genre. Mais non, mais genre, j'aime pas. Ok. Y'a plus de musique? Bah non, c'est toi qui l'as baissé. Non, mais rien. Non, mais. Bah, du coup, j'ai dans mon téléphone, ça sert à rien de la batterie. Ça c'est bon. T'as même pas pris une cuillère, j'avais une cuillère. Attends, vas-y, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est trop bon. On découvre des trucs bons.
En fait, les trucs avec ça, c'est bon. Genre, quand tu mets de la sauce barbecue dessus, c'est bon. Ah oui, bon, ça. Ouais. Non, mais je parle du gruyère, hein, pas de yaourt. Donc là on s'est préparé, on a fait les tresses et tout, on a mis toutes les deux une robe mais pas la même, et on va aller se balader, on va jusqu'à la mare, donc on va vous emmener. Là on est en train de se promener, sauf que là il commence à pleuvoir vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Non, non, non. Tu t'as vu là comment ça tombe? Et du coup bah, on va être... Moi j'en fais ça, est-ce que tombe encore? Ouais, s'il pleut beaucoup on va pas rester coincé là. Mais genre, du coup, bah, on va rentrer. On n'est pas allé jusqu'à la mare. On ira peut-être tout à l'heure s'il pleut plus. Mais non, disons, on va aller manger. C'est bon. Ouais, il pleut. En vrai, ça va alors. Bon, après, ici, il se met à pleuvoir beaucoup plus. Oui, bah oui. Moi, je vais pas manger, j'ai pas faim. Bref, du coup, voilà, on vous retrouve à la maison. On est en été. Ça, c'est où est-ce qu'on voit l'été? Moi, tu cherches l'été en Normandie. Ah non, c'est vrai, ça n'existe pas. Si, en vrai, il a fait beau là, c'est les jours d'avant. Enfin, c'est la Normandie quoi. Là, il y a deux semaines à peu près, il faisait super la chaud et tout. Il est obligé d'avoir sa petite touche de pluie. Ouais, grave. Il y a à peu près deux semaines, il faisait super beau. Oh, il faisait super beau et tout. Et genre. T'as vu le vent qui y a dans la mer. Et genre là, bah il pleut. Ça s'appelle pas du vent, ça s'appelle du courant. Oui, mais c'est à cause du vent. Du coup, je voulais dire, il y a deux semaines, oula, il y a de l'eau sur la caméra, il faisait super beau, il y avait un grand soleil et tout, on était archi découverts et tout. Et là, bah, genre, il pleut, il fait pas très beau, voilà, c'est génial. En coup, il fait beau, en coup, il fait plus beau. Voilà, on est rentrés, et là, je sais pas trop ce qu'on va faire. Pourquoi j'essaye de parler avec un accent alors que j'arrive même pas à parler? Bref, j'avais pas de capuche, j'ai un peu les cheveux mouillés, mais c'est pas grave. Bonjour! Salut. Vous connaissez ou pas? C'est moi. Attends, je vais vous dire, il est quelle heure? 15h06, donc... Faut que je mange. Moi, j'ai pas faim. Du coup, là, moi, je sais pas ce que je vais faire. Yo. C'est sûr. Pardon. Ah, quoique. Le 8, ça donne ça. Ça rend bien. Et le 7? Le 8, trop grand. Ouais. Ah! Ok, donc il y a ma reine qui est arrivée. Là, on a encore fait un live et j'ai regardé le montage d'un vlog que Sarah elle a fait. Et on a regardé un ou deux vlogs à moi. Du coup, voilà. Et là, Sarah va pas tarder à partir. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. On se retrouve pour un nouveau vlog un autre jour. Certainement, même c'est sûr, samedi prochain. Pas samedi demain, mais samedi d'après. Parce que Sarah et Cathy doivent venir à la maison. Parce que le soir, on va aller voir un spectacle et tout. Le samedi soir. Et du coup, elles vont dormir à la maison. Si j'ai pas beaucoup filmé sur ce vlog. Et si je filme pas beaucoup sur le vlog de samedi. Je réunirai les deux vlogs ensemble. Et si j'ai beaucoup filmé sur ce vlog et sur l'autre vlog. Je les réunirai pas. Je ferai des vlogs à part. Donc voilà. On se retrouve samedi pour un nouveau vlog.